Cela fait quelques jours que l'ancienne duchesse d'York a fêté son 62e anniversaire. Le 20 octobre dernier, Sarah Ferguson a été aperçue à Rome à un événement organisé par la Croix-Rouge. Le gala caritatif organisé en marge du Festival du film de Rome s'est tenu à la Villa Amiani. L'ex-femme du prince Andrew a foulé le tapis rouge vêtue d'une robe rouge sang. La robe rouge de Fergie est sans manches et est légèrement cintrée à la taille. Particulièrement glamour et élégante, la robe est légèrement moulante et dispose d'une jupe très longue. Pour compléter son look, Sarah Ferguson a choisi de porter de magnifiques boucles d'oreilles en perles. Les perles pendantes scintillent sous ses cheveux bruns et ajoutent encore plus de charisme à son visage souriant. Effectivement, tout au long des séances photos du gala, Fergie s'est prêtée au jeu avec ses plus grands sourires. Par ailleurs, l'ancienne duchesse d'York a également reçu un maillot de la Croix-Rouge à son arrivée au gala. Le polo rouge comporte une broderie à son nom sur la poitrine. Sarah Ferguson a toujours soutenu les actions de la Croix-Rouge et ce n'est pas la première fois que Sarah Ferguson est aperçue à un événement organisé par la Croix-Rouge. Pour ce gala, elle a partagé la même table que Francesco Rocca, président de la Croix-Rouge italienne. Selon Histoire Royale, la mère de la princesse Béatrice et de la princesse Eugénie a déjà porté cette magnifique robe pour assister à un gala en 2019. Selon ce magazine, elle portait déjà cette robe lors d'un gala caritatif organisé en marge du BFI London Film Festival en 2019.